Matunga! Samba! Katsunga! Samba! Respect! Obéissance absolue! Samba! Samba, samba! Samba, samba! Samba! Samba, samba, samba! Samba, samba! Samba! Samba, samba, samba! Samba, samba! Samba! Samba, samba! Samba, samba! Samba, 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 le général. Ne soyez pas inquiet. Ndifo Samba est un vieil ami du lycée. Papa, tu veux dire que tu vas acheter son silence? Je vais acheter non seulement son silence, mais aussi notre laissez-passer sur toute la ville. Arrête de m'appeler ta femme. Tu te fous de ma gueule, Ilobi. Tu dis vouloir m'épouser, mais tu n'es jamais allé voir mes parents. Germain n'a jamais fait des efforts pour être une femme présentable. Samba. Respectable et acceptable. Samba, samba. C'est vrai que par le passé, son côté Njuksa, je voudrais dire son côté villageois ne me posait aucun problème. Mais général, j'ai besoin d'un enfant dans ma maison. Mettez-vous à ma place, comprenez-moi. Au moindre faux pas, j'ordonne à mon grand frère général Difo Samba de tout enlever et de te renvoyer dans ta porcherie de boutique que tu avais dans le passé. L'aide que Ndial et son frère m'ont apportée dans les affaires, c'était pour ruiner ma vie. Ndiala, je ne suis ni ton esclave, ni celui de ta famille. Et ça, je ne serai jamais. Il est temps que je pense à mon bonheur. Quitte à perdre mon entreprise. Ça là. Mon fils. Si je t'avais pas eu, je serais zéro dans ce monde. Samba. 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 Qu'as-tu décidé? Je n'ai rien à décider. J'annoncerai au général Difo Samba que je ne veux pas être son complice dans le pillage.
Mon chéri, tu cours de gros risques. Ta carrière. Nous. Et mon intégrité. J'ai des principes moraux que je ne transgresserai jamais. Réfléchis bien, mon capitaine. Je te comprends, mais cet homme pourrait te mettre les bâtons dans les roues. Et s'il y arrive, que deviendrai-je? Et les enfants? La famille dont tu en es la principale locomotive. J'y ai déjà réfléchi. Je ne serai jamais son complice, jamais. Et je ne veux plus que tu évoques ce sujet ici. C'est un ordre. J'ai compris. Hey bébé, tu n'es pas sorti travailler? J'ai pris un congé pour discuter sérieusement avec toi. Tu veux qu'on parle encore de cette histoire d'enfant? Tu sais pourquoi deux personnes se mettent en couple? Bien sûr que je le sais. Écoute mon chéri. Cette situation me dérange autant que toi. Pourtant, tu n'as pas l'air. Tu es toujours joyeuse, dégagée, décontractée. Que veux-tu que je fasse? Que je sois triste, pâle, négligée? Non, monsieur. Je suis une femme émancipée. Écoute, mon chéri. L'enfant n'est pas une fin en soi. Tant que Dieu ne m'en donne pas, j'en profite tout simplement. Je vois bien que tu t'y plais dans cette situation. Ah non, 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 Sop, s'il te plaît, ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Bref. Maman, ça va? Je vais bien, mon fils. Viens, prends place près de moi. Écoute, maman, je ne voudrais plus que tu sois triste. Je veux te voir sourire. Mon chéri, je veux bien sourire. Je veux même sourire tout le temps. Mais comment le faire quand tu vis dans la peur et dans la crainte? Comment? Maman, j'aimerais te voir sourire. S'il te plaît, fais-le pour moi, s'il te plaît. Voilà, je reconnais ma maman chérie. Ah, oh, mon chéri, je suis très heureuse de t'avoir dans ma vie. Je t'aime tellement, tu sais. Je sais, mais dis-moi, ça s'est passé comment je perds mon divo? Je ne m'attendais pas à un changement de situation. En plus, nous sommes un vieux couple. Je ne vais tout de même pas aller tout le temps déranger ma belle famille avec nos problèmes. Mais tu n'as toujours pas répondu à la question. Ça s'est passé comment? Je perds mon divo. Tu connais ton père. Père Mondifo l'a réprimandé. Et il lui a dit qu'il ne veut plus jamais qu'il s'ingère dans nos problèmes de couple. Mais quel culot celui-là. Mais tu t'attendais à quoi? C'est ça ton père. Et tu es donc condamné à vivre ainsi à ses côtés. Dans la peur, dans la tourmente, dans l'angoisse, dans l'anxiété. C'est comme ça que je vivrai à ses côtés. Tu sais quoi, maman? Papa va apprendre à te respecter. Ça, j'en suis sûr. Fokam, tu vas pas à l'université?
Mes amis ne m'ont pas appelé. Je suppose que les profs ne sont pas venus. Non, il faut que tes amis t'appellent avant que tu ailles en cours. Grand frère, je suis déjà un grand. Je ne vais pas aller traîner à Farpo pour attendre les profs. Ce sont ces professeurs qui doivent venir t'attendre, c'est ça? T'inquiète, grand frère. Je validerai quand même mes UV. Avant de valider tes UV, tu te lèves de ce siège et tu vas à l'université. Je suis désolé, grand frère, mais je ne peux pas. Ok. Dans ce cas, tu oublies ton argent de poche. Non. Tu ne peux pas me refuser mon argent de poche. Pourquoi pas? Simplement parce que c'est mon héritage. C'est l'argent que m'a légué mon père. L'argent que t'a légué ton père. Je vais en parler avec le général Ndifo. Tu en fais trop. Je suis venu prendre tes nouvelles, Germaine. Je subis les oppressions de Ndifo Samba depuis près de 30 ans. Je vis dans un cercle infernal. Il m'est impossible de fuir. C'est vrai que je n'apprécie pas le comportement du général Samba Ndifo. Mais Germaine, je t'admire beaucoup. Malgré cette oppression, cette maltraitance, tu as su lui rester fidèle et en plus tu lui as fait deux beaux gosses. Après tout, c'est mon mari. Devant les hommes, devant Dieu, devant la famille, j'ai promis lui rester fidèle toute ma vie. Par le passé, Samba Ndifo me frappait. Les proches, les amis, bref, tout le monde m'a recommandé le divorce. Mais je suis restée. En même temps, je l'aime et en même temps, j'ai peur de lui. Oh, moi, je me dis simplement qu'il ne sait pas quelle chance il a de t'avoir. Sinon, je suis venu le voir pour qu'il convainc sa sœur afin que nous adoptions un enfant. Mais il m'a répondu que le dernier mot revenait à Ndiala. Il te dit ça, pourtant il sait que Diala est contre l'adoption. Germaine, Diala est un caillou dans ma chaussure. Je t'assure. Diala n'est pas différente de son frère. Ce sont des égoïstes. Ne te laisse pas abattre par elle. Pense plutôt à ton bonheur. Monsieur, le budget pour le marketing de proximité pour nos produits n'est pas encore disponible. Oh, écoutez, monsieur Tabi, allez savourer d'abord votre whisky, hein? On en reparlera plus tard, ok? Monsieur, pour être honnête avec vous, on dirait que vous êtes un peu ailleurs. Bon, monsieur Tabi, qu'est-ce que les employés pensent de moi? Quelle question! Les employés vous apprécient, les clients vous trouvent courtois et sympa. Et quant aux associés, ils pensent que vous êtes l'homme de la situation qu'il faut pour l'expansion du distributeur. Vous vous moquez de moi, sale macaque! Qu'est-ce que les employés peuvent bien penser d'un homme qui n'a pas d'enfant dans sa maison? Monsieur, dans votre foyer, c'est pas le cas. Mais hors de votre foyer, c'est oui. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? La dernière fois, vous avez oublié de fermer votre boîte email et j'ai lu quelques messages d'amour de la mère de Tsala et surtout les belles photos de Tsala. Monsieur, mais c'est un secret bien gardé. Vous savez, un homme, c'est sa descendance. Monsieur Tabi, le général Ndifo ne doit jamais être au courant de ça. Sinon, je cours vers ma chute. Soyez rassuré, monsieur. C'est un secret bien gardé. Surtout, tâchez de ne plus oublier ces photos sur votre ordinateur. Germaine. Germaine. Oui, mon mari. Je suis là. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi.
Connais-tu tes obligations en tant que mon épouse? C'est être à ma disposition en tout lieu, en toutes circonstances, madame. Mais mon mari, c'est le cas. Je suis là à ton entière disposition. Alors prépare les valises. Nous allons au village comme l'a recommandé l'oncle. Maintenant? Pourquoi cette question? Mon général, c'est que préparer les valises, ça prend du temps. Jamais ne me dis pas que tu veux discuter mes ordres. Tu les exécutes d'un point, c'est tout. Mon général, je voulais aussi chercher quelques provisions pour la famille au village. Stop! Samba! Samba, Samba! Tu prépares les valises, nous voyageons dans 45 minutes. Allez, que ça roule! À vos ordres, mon général. Samba! Samba, Samba! Samba, Samba, Samba! Samba, Samba! Samba, Samba! Samba! Les filles, s'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites. Hein? Il y a plus important. Estelle, monte dans ma chambre, s'il te plaît. Tu prépares deux valises, une pour moi et une pour mon mari. Quant à toi, Nadège, cours rapidement au marché. Achète-moi deux sacs de riz, deux sacs de sel, deux sacs d'arachide. Je ne souhaite pas me voir ridicule au village. Mais madame, vous allez effectuer un déplacement? Oui, Estelle. Mon mari vient de me dire que dans quelques minutes, nous serons en route pour le village. C'est urgent? Urgent ou pas, je n'en sais rien. Je ne discute pas les ordres du général Samba Ndifo, je les exécute. S'il vous plaît, grouillez-vous. Je ne veux pas qu'il me crie dessus. Madame, j'achète combien de sacs et quel grammage? Nadège, fais ce que tu peux, s'il te plaît. L'essentiel, c'est que tu me ramènes ici tout ce dont j'ai besoin. Aussi, n'oublie pas de me prendre quelques pagnes pour mes belles-sœurs, s'il te plaît. Ok, madame, j'ai compris, j'y vais. Samba, Samba, Samba. Samba, Samba. Mais Estelle, tu es encore là? Vous m'avez demandé de prendre quelle valise? D'accord, c'est bon. Viens, on va le faire ensemble. Sergent Bock, tu as enfin décidé de venir me rendre visite. Maman Matt, c'est juste que je suis un homme très occupé. Sois le bienvenu, mon fils. Merci, maman. Je vous ai gardé un petit cadeau. Wow, merci. Waouh, un joli foulard. Merci. Je vais le mettre dimanche quand j'irai à la réunion. Et je suis sûre que je serai belle avec. Moi aussi je le pense. Vous êtes une femme très ravissante. Dites, vous vous déplacez déjà? Je me déplace petit à petit. Metsafa voudrait toujours que je sois cloîtrée au lit. Et ça me pourrit la vie. Elle vous aime. Elle s'inquiète simplement pour vous. Elle en fait un peu trop. Dis, sergent Bock, qu'attendez-vous pour demander ma fille en mariage? Maman Marthe, moi aussi je le pense. Mais à chaque fois que nous essayons d'aborder le sujet, ça va fuir à cause de votre état de santé. C'est juste un prétexte. Je me sens déjà bien. Il faut insister, elle va céder. Je me fais vieille et j'ai besoin de petits-fils. Merci maman. Vous êtes une femme merveilleuse. Je ne vais plus la lâcher. Encore merci. Merci à toi. À quoi ça sert d'avoir des rapports avec une femme qui ne peut pas enfanter? Mais est-ce qu'on fait des rapports pour avoir seulement des enfants? On le fait aussi pour prendre plaisir, non? Ça fait 15 ans qu'on fait des rapports pour prendre plaisir. Maintenant, je veux un enfant. Je ne peux pas en faire. Adoptons-en un. Non. Je n'accepterai jamais que l'enfant d'une autre femme vienne vivre chez moi. Ça, jamais. Ndiala, pourquoi tu es si égoïste? Alors, si je ne veux pas qu'on adopte un, je serai obligé de prendre une femme qui va m'en faire un. Tu n'es pas sérieux, là. Je suis très sérieux. Et je te donne jusqu'à ce soir pour réfléchir. Samba, 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 samba. Où est ma mère? Elle s'est rendue d'urgence au village avec ton père. Pourquoi faire? Je n'en sais rien. Elle nous a juste demandé d'aller au marché acheter quelques provisions pour les femmes du village.
Mais ils sont terribles dans cette maison. Ils s'en vont comme ça sans laisser de mots. Mais c'est incroyable ça, c'est du jamais vu dans le Katunga. Et ma petite sœur, elle est où? Elle n'est pas encore rentrée. Voilà, voilà une autre. Elle aura exactement le même comportement que son père. Malgré toutes les recommandations que papa lui a données, elle continue à traîner dehors après les heures de cours. Attends, je n'arrive plus à vivre dans cette maison. Elobi, tu ne dois pas abandonner ta famille. Tu es le seul qui puisse aider madame à aller mieux, car elle va très mal en ce moment. C'est parce que ma mère est têtue. Parce que si ça ne dépendait que de moi, elle serait séparée de papa il y a longtemps. Ne dis pas des choses comme ça. Pense plutôt à une conciliation. Avec le général Diffo Samba, il n'y a pas de conciliation. Maman? Oui, mon chéri. S'il te plaît, j'ai besoin d'une boisson juteuse. Va prendre dans le frigo, s'il te plaît. Maman, c'est très haut pour moi, je peux pas y arriver. Tiens. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, maman. T'es trop vilain. Maintenant, laisse-moi regarder mon film. Maman? Oui, mon chéri. Quand est-ce que papa vient nous rendre visite? Bientôt, bientôt. Maman? Mmh. Pourquoi papa ne reste pas ici avec nous et pourtant mes amis restent à la maison avec leurs parents? Tsala, assez avec toutes tes questions. Tu peux me laisser regarder mon film, s'il te plaît? Maman? Assez, Tsala, assez! Oncle, ce village s'est vraiment développé. C'est vrai, grâce aux élites qui ont un grand soin pour le développement de ce village. Ah, mais ces élites, j'en fais partie. C'est vrai que tu en fais partie, mais tu n'as jamais apporté ta contribution pour le développement de ce beau village. Oui, déjà parce que le maire ne m'a jamais abordé. Tu vois, il a fait une fois, d'une façon sporadique, au cours d'une réunion chez le préfet de Lenga, ce que je n'ai pas d'ailleurs apprécié. Hein? Je suis général de division, moi. Samba. Tout simplement parce qu'il ne connaissait pas encore ton grade. Samba, Samba. Je suis le plus grand général du Katsunga. Ça veut dire qu'à mon arrivée au village comme ça, on doit aligner tout le monde. Quand je passe, on me salue. Quand je passe, on me salue. Samba. Mon neveu, soigne ton langage. On dirait que le pouvoir te donne des ailes. Où est ton humilité? Alors, mon oncle, je n'en ai jamais eu. C'est pas quand je deviens général de division, chef d'état-major des forces extra du Katsunga, que je dois devenir humble. Non. Non. Samba. Samba, Samba. Il n'y a personne qui est au-dessus de moi dans l'armée. Personne, je dis bien personne. Je suis le plus puissant. Samba. Samba. Samba, 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 Samba.
Samba, 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 samba,